On est retour sur un reportage cette fois-ci sur les détectives privés. Normalement, j'ai grave hâte parce que là, on parle d'enquête, de filature et d'adultère. Là, c'est des grands mots, là. Ça a l'air assez intéressant comme reportage, mais c'est pourquoi pas le regarder ensemble. Putain, quel bonheur de vous voir en fait, Mute. Attendez. Variation. Là, c'est que les riches qui peuvent parler. Ah, voilà. Donc là, vous les avez l'élite, là. Allez, les pauvres, de retour. Voilà, des fois, j'aime bien varier les intros, là, pour faire changement. On est original. On est youtubeur concept ici. Sous leurs airs de jeunes cadres dynamiques, des détectives. Denicia, Mathieu, Anthony et Guillaume sont en réalité de redoutables détectives privés, habitués aux missions les plus sensibles. Leur oh ouais, je suis hype, là, c'est incroyable. Des planques et des filatures dans des conditions souvent extrêmes. Aujourd'hui, une mère de famille vient de les engager car elle pense être trompée par son mari. Oh, yo, on va avoir du drama. Ça va être incroyable. Ils vont utiliser Facebook, quelle belle référence. Trop fort. La cliente nous a contacté parce qu'elle avait de gros doutes sur la fidélité de son époux, notamment quand elle part en déplacement professionnel. Sur l'avoir des preuves, là. Fréquemment. Et elle a vu de temps en temps, un peu de loin sur son téléphone, des messages. Yo, en vrai de vrai, ça a l'air incroyable comme taf. Yo, qui ferait ce taf-là? Genre, on vous engage, on vous paye pour pouvoir stalker quelqu'un. Je le ferai tout. Ça a l'air trop cool. Là, tu te crois vraiment comme un agent secret, là. Elle je suis en mission. Je stalke pas, je suis en mission. Il garde toujours son téléphone avec lui, même quand il va aux toilettes. Il n'a pas une attitude très naturelle. Comme ça fait longtemps qu'elle est avec lui, elle a un gros pressentiment. Pour les quatre détectives, t'es pas assez, c'est un enquêteur. Prendre le mari suspecté d'infidélité en flagrant délit. La cliente a payé 1 500 €, alors elle veut des résultats. Alors, on y réfléchit encore peut-être? Il y a l'air d'avoir des beaux montants dans ce milieu. Quelques heures plus tard, au nord de la banlieue parisienne, l'enquête démarre. Discrètement, Denicia et... Mais ils vont 4? Yo, c'est une grosse opération là, pourquoi ils vont à 4? Et avec le caméraman en plein milieu de la nuit. Mathieu là. Planque devant les bureaux du mari. On attend que monsieur termine le travail, prenne son véhicule. C'est subtil la caméra en on tout cas. On est devant la sortie du parking. Théoriquement, il devrait sortir par là avec sa voiture. Et ben, on attend qu'il sorte pour voir ce qui se passe après. Leur cliente est actuellement en voyage d'affaires. Et elle est persuadée que ce soir, après son travail, son mari va profiter de son absence pour voir sa maîtresse. Alors, les deux détectives vont devoir lui coller au basque. Sans avec ce nombre de floutages, c'est sûr que le frérot est coupable. Te faire repérer. Oh là là! Une filature qui s'annonce délicate. Car d'après les informations dont ils disposent, l'homme serait propriétaire d'une puissante voiture. Mais ils vont faire une course poursuite là. Plus puissant, ouais. Et qui roule, et en plus qui roule vite, qui roule très très fort. Donc, ouais, écoute, il va quand même respecter les codes de la route là. Tant qu'on peut. Il y a toujours un stress. De toute façon, quand on fait une filature, il y a toujours le stress de perdre une filature, ça c'est sûr. Déjà 2 heures d'attente, Mathieu et Denicia commencent à douter. Ah ouais. Quand soudain. Ah, attendez. Oh, le voilà, voilà. Si, c'est ça. Oh, ils sont heureux là. La filature démarre au quart de tour. Très subtil là ce que je vois. La berline se dirige vers le centre de la capitale. Tout en restant à bonne distance, les deux détectives ne la quittent pas des yeux. Moi, j'ai la signature visuelle du véhicule que je suis, que je vois là à travers. J'ai trop joué à GTA, jamais je pourrais perdre quelqu'un comme ça. Là. Moi, ça me suffit pour. Voilà. Pour le c'est lourd parce qu'il floute les armes, mais il floute pas les plaques des autres. J'ai pas besoin d'avoir la voiture dans. C'est très fort ça, monsieur le monteur. Mais arrivé place de l'Étoile, à l'heure des sorties de bureau, l'affaire se complique. Ça va prendre a priori l'avenue des Champs-Élysées, ouais. Allez là. Ils sont sous stress. Alors là, tu vois, c'est la hantise. De la filature, c'est l'arc de triomphe. C'est en mode hardcore là. Et là, tu lui colles au basque. Vraiment, l'arc de triomphe, l'endroit le plus stressant de l'histoire de la planète Terre là. Comment ils font les gens pour conduire là-dedans? Je ne lâche pas. C'est l'une des places les plus embouteillées de Paris. Une fausse manœuvre et Mathieu peut rester bloqué. Alors le détective reste très concentré. Pousse-toi! Oh, tu vas peut-être le perdre là. Ouais. Allez, c'est mort à droite. Mathieu a eu des sueurs froides, mais il n'a pas lâché sa cible. Et sa ténacité va payer. Ça tourne. Ok. Allez, dépêche. Il y a le... L'homme s'est arrêté dans le quartier de la Tour Eiffel. La filature se poursuit à pied. Allez, subtil, c'est bon bande de ninjas. Tout le temps avec le caméraman, ça va être magnifique. Si, je le vois. C'est bon.
Il est là, c'est bon. Le mari vient de s'installer dans un restaurant chic des beaux quartiers. Oh. Pour l'instant, il est tout seul. A-t-il un rendez-vous d'affaires ou attend-il son hypothétique maîtresse? Pour le moment, pour les deux détectives, une nouvelle planque commence. Pourquoi ils sont aussi stressés? Dans ma tête, un détective, là, il est relax, là, il prend son temps, il est subtil. Il va manger seul. Il va manger tout seul. Non, il va pas manger tout seul, ça fait pitié. Il est 21h, je me dis peut-être qu'il y avait une réservation pour peut-être voir qu'il a pas de pote aussi. Qui va débarquer. Peut-être affaire. Les espoirs sont permis. Oui, tous les espoirs sont permis, ce soir. Mathieu et Denicia décident de se positionner de l'autre côté de la rue, à l'affût des allées et venues autour du restaurant. Et ce soir, la chance va leur sourire. Oh. Cette jeune femme semble se diriger tout droit vers l'entrée du restaurant. Peut-être la fameuse maîtresse qu'ils attendent. Aïe, 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 aïe. Les deux détectives se précipitent pour vérifier. Allez-y subtilement, pourquoi vous précipitez? Mais wesh, doucement! Eh ben, c'était un bisou unique, sur la bouche. Ah. Pour se dire bonjour, j'ai vu deux têtes qui ont fait ça. On a les preuves. Reste à obtenir une preuve, une photo compromettante du couple illégitime. Mathieu et Denicia décident d'aller observer la scène de plus près. Bonsoir. Ils sont tous au subtil par contre, c'est terrible. Le mari et la jeune femme sont attablés au fond de la salle. Pour rester discret, les deux détectives s'installent à l'opposé. Merci beaucoup. Téléphone en main, braqués sur leur cible, ils font semblant. Je vous jure, les détectives, on dirait franchement. Merci beaucoup. Qui sortent tout droit d'un film de James Bond. Là, regardez-moi ça, en la main, face comme si c'est comme il leur cible, ils font semblant d'être on en pleine conversation. On parle au téléphone comme ça, là. Qu'est-ce que tu fais? Ça se voit pas, il prend des photos là. Il fait son joli cœur. Hein. Il fait le joli cœur. Hein? Il fait le joli cœur. L'homme et la femme se tiennent la main. Le doute sur leur relation n'est quasiment plus permis. Je pense qu'on est bon là. Mais les deux détectives ont besoin d'une preuve irréfutable. Alors ils vont devoir être patients. Mais ouais, je serai pas en tête à tête comme ça là. En c'est attendant, bon autant se faire plaisir avec un bon dîner aux frais de leur cliente. Ah ouais? Car en mission, c'est elle qui paye. Je veux devenir détective tout de suite, maintenant. Qui a besoin d'aide, là? Est-ce que vous avez des doutes sur vos couples, les hey, Agathe, je suis là pour vous. Hein. Comme vous me dites, quoi, là... C'est de la ratatouille, quoi. J'en ai pris un. Crème de poivron, c'est des courgettes grillées. Les minutes défilent, les plats s'enchaînent, et toujours pas d'image probante. Alors Mathieu et Denicia établissent une stratégie. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on a sorti. Il faut que tu fasses et que tu cales. Moi, honnêtement, ma bagnole est juste à côté de lui. Hein. Ouais, mais ce que je veux, c'est avoir une belle image quand il sort. Moi, bah, j'attendrai à côté, là-bas. À pied. Je les aurai de face, ouais. Vous voulez pas de la subtilité, vous voulez avoir les belles images. C'est bientôt la fin du dîner. Le couple en est au dessert. Alors, les enquêteurs se dépêchent de mettre en place leur dispositif. Ce soir, ils le savent, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Si le couple s'embrasse en sortant du restaurant... Oh, attendez! Je pense que je suis trop fort. Écoutez, regardez-moi ma stratégie de ouf. Je vais voir le gars qui est en train de tromper sa meuf. Je lui dis, frérot, je suis détective privé, engagé par ta meuf. Si tu veux pas que je lui dise, tu me payes toi aussi. Oh, l'escroc! Multi-escroc! Wow. Le baiser sera furtif. Et il leur faut absolument la photo. Multi-escroc, je suis trop fort. On est comme ça... c'est ça que tu me disais. Ça se voit trop et il faut pas trop que tu t'avances. Yo, on va faire du cash avec ce concept, les frères, vous comprenez pas. Ouais, ok. Si tu fais ça, c'est top. Ouais, là, c'est nickel. Là. Mathieu agent lui, double, exactement. Se positionne dans la rue adjacente. Il ne leur reste plus qu'à croiser les doigts. Ouais, ça sort. Et justement. Oh. Un petit bisou, rien. Elle veut le petit bisou là, c'est bon, c'est pas subtil de toute façon. Ah oui, oui, oui. Oui. J'ai jamais vu quelqu'un aussi heureux là. Oui, c'est oui. Bon. Vite, zoom, zoom, vite, vite, vite. Allez. T'as la femme là qui va voir ça là. C'est les seuls qui sont heureux dans le sort des scénarios. Denicia n'en perd pas une miette. Un peu comme ça paparazzi, 10 minutes, le truc, là. Mais sans aucun état d'âme. Le voyeurisme. C'est un élément essentiel de son travail. C'est un gros bisou, ça. Ah ouais, là, c'est un gros bisou, ouais. Mais attendez,
il faut absolument avoir... Est-ce qu'il y a une licence de détective privé ou un truc comme ça? Parce que me semble, filmer comme ça des inconnus sans autorisation, c'est un peu illégal, non? Et la filature va se poursuivre jusqu'aux portes d'un hôtel situé... Merde, faut que je fasse une formation et tout, ah, flemme. C'est bon, j'arrête. Oui, je t'entends, mon parcours détective s'arrête maintenant, là. Il y a un hôtel juste là, je le connais. C'est un hôtel hyper classe. Un 5 étoiles qui propose des chambres à plus de 1000 euros la nuit. Visiblement, ce n'est pas pour une réunion de travail. Oh, la McLaren. Pour les détectives, l'adultère est clairement constaté. Gros divorce incoming. Sans attendre, Mathieu téléphone à sa cliente, la femme du mari infidèle, pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Ouh là là, comment il va annoncer ça? Sois délicat, frérot. Allô, oui. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, d'accord. Oh là là. Bon, alors écoutez, il a été rejoint par une femme. D'accord. Ils ont dîné ensemble, ils sont embrassés. Aïe. Ils sont ressortis du restaurant, ils se sont de nouveau embrassés, tenus par la main. Donc on a toutes les images. Hein, là, le cœur brisé là. Tout ce qu'on cherchait, on l'a obtenu. Et ils l'ont emmené au. Okay. T'as vu, vraiment, il y a des gars, ils sont débiles. Genre déjà, de base, il a payé 1000 balles pour pouvoir aller dans un hôtel. Ensuite, il a dû payer le resto. Tout ça pour niquer son mariage. Franchement, le frérot est un génie. Oui, c'est un palace, c'est un grand palace. Hein. Tout ça parce qu'il voulait pas le divorce. Mais ça va arriver vite, frérot. Donc voilà, donc ils sont à l'hôtel. Je pense que il y a pas besoin de poursuivre la mission. Je pense qu'on a... On veut de l'enquête encore, là. Allez-y, non, allez-y. Correct, on veut des images. On a vraiment tout ce qu'il faut. C'est blague. Mathieu décrit la scène froidement, sans prendre de gants. Car en 13 ans de carrière, il en a vu de toutes les couleurs et il a appris à mettre ses sentiments de côté. Bonne soirée à vous. Nous, elle nous a payé pour une mission, pour avoir une information. Contrat rempli de notre côté. Ouais, c'est bon. C'est pour ça que je suis content. Maintenant, oui, c'est sûr que c'est pas agréable à annoncer. Maintenant. Voilà, nous on essaie de rester le plus professionnel possible et puis surtout d'essayer de se détacher un petit peu mine de rien de tout cet aspect sentimental parce que sinon on s'en sort pas. Voilà, on peut malheureusement pas absorber tout cet aspect sur tous nos clients, sinon voilà, on dort plus. Hein. Même si ce n'est jamais agréable d'annoncer ce genre de nouvelles, les détectives repartent avec le sentiment du travail. J'avoue, venez me faire réaliser quelque chose, les gens du chat, là. Frérot, ça fait 13 ans qu'il fait ça, et toujours pas aussi subtil. J'avoue que j'aurais cru si ça faisait un an ou deux ans, mais 13 ans C'est bien fait. Et si il stresse d'ouf. Leur cliente pourra produire ses éléments recevables par la justice si elle décide de divorcer. C'est la fin de leur mission, mais d'autres dossiers tout aussi étonnants les attendent, et vous allez voir que leur métier est loin d'être de... Yo, est-ce que ça vous hype, là, pour l'instant, ce reportage? En vrai, il a l'air exceptionnel. C'est que le début là. On va avoir des dramas. Filature. Je vais skip ça parce que ça semble un spoil. Ce métier hors du commun n'a pas toujours eu bonne presse. Mais depuis les années 2000, les détectives ne sont plus cantonnés aux affaires d'adultère. La profession a profondément évolué. Bonjour monsieur Gros Fabrice, je suis enquêteur privé. Mais c'est lui dans Escape lui, non? Ou non, dans quoi? Bon, il est dans une autre émission, lui, là. Quoi? Qu'est-ce qu'il fout, là? What the... Dis-moi pas que t'es sur Facebook, frérot, par contre, là. Ou sur des affaires d'espionnage industriel. Crossover très ambitieux, là. La tête de la personne. Aujourd'hui, le champ d'action il va aller sur Facebook, c'est sûr. Est vaste. Et leur mission consiste bien souvent à recueillir des preuves pouvant permettre à des avocats de faire basculer une affaire les caméras devant un juge. On a quelques photos quand il rentre. Mais ne devient pas Sherlock Holmes qui veut. Pour devenir détective privé, il faut suivre une formation. Ça, c'est intéressant. Je vais être professionnel à préserver le secret du client. Ce métier réglementé demande beaucoup d'endurance, car un détective n'a généralement pas d'horaire fixe et il peut travailler 7 jours sur 7. En vrai, derrière, ça a l'air vraiment mission un peu en mode Hitman. Mal véhiculé par de nombreuses séries télévisées, vous allez voir que le quotidien de ces inspecteurs très particuliers s'apparente souvent à un véritable parcours du combattant. Faire ça plusieurs heures, c'est ça qui est compliqué en fait. Pendant 6 mois, nous les avons suivis à travers toute la France. Trop bien. À Paris, vous allez découvrir le travail de Denicia et ses collègues. À 33 ans, elle fait partie des rares femmes qui exercent dans ce milieu très masculin.
mais vous allez voir que sa sensibilité féminine est un atout très précieux pour résoudre des affaires sa de mœurs. Sa sensibilité féminine. Pas trop définir la relation. Attendez, je vais juste terminer parce que ça a l'air d'un méga moment de spoil encore une fois. Filmer le quotidien de Fabrice, 20 ans, France. La jeune femme a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Oui. Seul son père biologique pourrait lui fournir, mais elle ne le connaît pas. Alors Fabrice doit le retrouver, c'est son seul espoir. Oh shit, ok, il y a des scénarios quand même. Parce que... Ok, attendez, je vais avancer, je suis désolé, comme ça au moins on est sûr. Les quatre écoles du pays, de pas ce sapeur-pompier rêve de devenir détective privé depuis des années. Mais entre joie et déconvenue, il va devoir garder son sang-froid pour réussir la première mission de sa carrière. Ma faute. Non, mais j'aurais dû le coller à fond, quoi. Qui sont ces enquêteurs des temps modernes? Comment travaillent-ils? Quels sont leurs secrets pour résoudre des affaires souvent complexes? En vrai de vrai, j'ai envie de croire que c'est pas si dur que ça. Pourquoi j'ai envie de croire qu'on peut tous le faire ça? Détective privé. En tout cas, peut-être qu'ils le font paraître facile. Sachant que dans louer par exemple. Le service d'un détective privé, c'est de la science-fiction pour la plupart des Français. Mais dans certains cas, ces enquêteurs professionnels. On l'a pas déjà vu. On avait déjà vu un reportage sur les détectives, mais c'était pas celui-là. Celui-là a l'air clairement mille fois mieux. Apparaissent comme le seul recours. Et mais parfois, parler. C'est même une question de vie ou de mort. Nous sommes à Tours, sur les bords de la Loire, chez Pauline. Salut Pauline. Tout le monde mange les fruits, je vais faire de l'ananas. Pauline se retrouve malgré elle dans cette douloureuse situation. La jeune étudiante de 22 ans, originaire du Gabon, vit avec son compagnon Tino. Régulièrement, salut. Sa cousine Prisca vient lui apporter un peu de réconfort. Car depuis des années, la jeune femme vit un véritable enfer. Ah, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure, là. Ou bien, enfin, un peu de riz. Oui. Enfin, un peu de riz. Tino. Pauline est atteinte d'une maladie rare du sang, une forme de leucémie qui attaque ses défenses immunitaires. Ah ouais. Alors, ses journées sont rythmées par les médicaments. Oh, et par les injections d'anticorps, deux fois par semaine, leucémie, avec l'aide de son compagnon. C'est pour mes défenses immunitaires, parce que j'en ai pas. Et que, pour éviter d'attraper toutes les cochonneries qui sont dehors, ou même lui quand il tombe malade, ou même un bébé peut me contaminer. Ah ouais. Et du coup, voilà, c'est pour me donner un peu de force. Mais malgré ça, des fois, ça fait rien. Je suis pas immunisée, quoi. D'après les médecins, ses jours sont comptés. Courage. Je compte jusqu'à 3. Il ne lui resterait que 8 ans d'espérance de vie. C'est bon. Ça va être dur. Son seul espoir, une greffe de moelle osseuse. Mais pour ça, il faut un donneur. Malheureusement, sa mère n'est pas compatible, tout comme ses demi-frères et sœurs. Pour le moment, Pauline est sur liste d'attente à l'hôpital. Mais elle a décidé de prendre les choses en main. Elle s'est mise en tête de retrouver son père biologique. On va passer à table. Ok, yo, ça c'est une mission vraiment, vraiment, vraiment intéressante là. Un homme qui vit entre la France et le Gabon et qu'elle n'a jamais connu. Waouh! Lors des tests ADN, des avec trucs ses comme proches, ça. Là. Elle a même entrepris de nombreuses démarches sans succès. On est passé par les registres du Gabon, donc on a essayé d'appeler l'ambassade pour savoir s'ils avaient une trace de lui. Et après, on a entrepris des recherches sur les réseaux sociaux. Voilà, on a recherché pour. Imaginez s'il retrouve et son père dit oui. T'as besoin de savoir, en fait. De son père, Pauline ne connaît que son prénom, Claude, et son nom de famille. Aucune photo. Ah ouais. Et sa mère a perdu sa trace depuis plus de 20 ans. Alors, en ultime recours, c'est un gros projet, elle a décidé là, ça. D'engager un détective privé. Je pense que c'est un très bon choix. Et puis voilà, on espère que ça va aboutir. On s'aboutira. Donc moi, je préfère être dans le cadre où... Oui. En tout cas, elle garde vraiment espoir parce que c'est déjà pas sûr s'il est compatible. Et qu'ils disent oui et qu'ils le retrouvent. C'est un gros projet. C'est un véritable combat pour la vie qui démarre. Hey. Le lendemain matin, dans l'un des hôtels de la ville, Pauline et Tino ont pris rendez-vous avec le détective privé pour signer un contrat d'engagement. Oh. Bonjour. Vous allez bien? Vous avez trouvé facilement? Oui. Ça a été? Bon, installez-vous. C'est lui là, le gars d'Escape. Fabrice vit à Tours. À 44 ans, c'est un détective un peu particulier. Ouais, il parce est spécialisé qu'il participe dans les recherches de personnes disparues. Ça va? Oui, très bien. Dans le milieu des détectives, il est une petite figure. À son actif, un beau palmarès. En 23 ans, il aurait retrouvé plus de 5000 personnes.
Yo, respect, on savait pas vraiment son background à lui là. Alors respect. Pauline et Tino pensent avoir fait le bon choix. Tout ça en disant Facebook là, quel respect. Notre réseau, on arrive à avancer bien plus vite qu'un particulier, heureusement, sinon on n'existerait pas. Et puis on fait pas tout et n'importe quoi, c'est pas le tout de retrouver ce père. Il faut aussi qu'il accepte de vous rencontrer. C'est pour ça que lorsque je mène les recherches, il me faudra à tout prix avoir le consentement de votre père. Mmh. Pour pouvoir vous donner ses coordonnées. Bien sûr. Et à partir de là, on le rencontrera ensemble. D'accord. Pour ce travail, le détective demande 1800 euros, auxquels il faudra rajouter les frais de déplacement. Ok. Si son enquête le mène au Gabon, la note peut vite grimper. Mais le couple est confiant, car Fabrice ne sera payé qu'en fonction de ses résultats. C'est la règle respect. Qu'il s'est donnée. Respect, respect. Il y a la provision qui sera de 900 euros oui. à verser donc à la signature du contrat ou dans quelques semaines, comme, oui. comme on l'a dit. Hein, voilà. Et le restant du jour, c'est plus que ça. Sachant que l'autre, tu as 1500. D'accord. C'est quoi ton sentiment là, tout de suite ? Impatiente. j'ai vraiment envie qu'on puisse aboutir à tout. Bah, merci beaucoup. Ouais. Pauline. Pour Fabrice, c'est un énorme challenge. Car pour le moment, à part le nom et le prénom du père de Pauline, il n'a aucun indice. Et le problème, c'est que l'homme n'a jamais reconnu sa fille. Fabrice va devoir se plonger dans une histoire familiale vrai. Compliquée. Une enquête difficile qui va se révéler incroyable. C'est vraiment une histoire de genre de film. À Attendez, 200 km de là. Je vais juste regarder une statistique. Combien de personnes disparaissent par an ? Wow ! En fait, bon, j'ai écrit ça en fait, mais ça m'est tombé directement sur la statistique française. Comme quoi, en France, il y aurait 40 000 personnes qui disparaissent chaque an, chaque année. Yo, c'est abusé. What the fuck? Ben, je me disais 5 000, c'est énorme là, mais. En banlieue parisienne. 40 000 personnes qui disparaissent Delicia, par an. La jeune femme détective se prépare elle aussi à partir en mission. Je serais trop curieux de savoir une nouvelle file sur la tente. Et comme toujours, beaucoup d'imprévus, c'est la règle dans le métier. Alors, trafic avant de partir, humain, elle horrible. Prend ses précautions. C'est important de sortir avec plusieurs tenues parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va faire, puisqu'on se calque comme vraiment dans les emplois du Bien temps joué. Possible. On peut aller dans des endroits un petit peu classe. Je prends une robe, par exemple. Je vais sortir des talons. Et puis, si jamais ça va dans un endroit un peu plus décontracté, je pourrais me permettre de rester en jean, basket, t-shirt. Un vrai caméléon. Hein. À 33 ans, Denicia est célibataire. Et elle a choisi ce métier pour l'adrénaline. Après avoir fait des études de commerce, elle a même décidé de changer de voie pour mettre plus de piment dans son quotidien. Et elle ne regrette pas son choix. J'adore ce côté un peu imprévu du métier. J'ai fait ce métier parce que j'avais envie d'un peu d'aventure. Et on peut dire que je suis servie. Après, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de combiner ça avec une vie personnelle et sociale. Mais bon, on accepte les avantages comme les inconvénients okay. du métier. Moi, je veux quand pour même avoir cette vie. Montrez-nous les gadgets là. Il doit avoir des gadgets de détective. Trépidante, Denicia a monté l'agence Prometheus avec ses trois collègues. Prometheus. Direction les quartiers chics de la capitale. La jeune femme leur a donné rendez-vous pour faire le point sur leur nouvelle mission. C'est une affaire de divorce qui se passe mal. Le couple se déchire Encore à propos de la garde des trois enfants. Leur client est le père de famille. Okay. En attendant que le divorce soit prononcé, c'est sa femme qui a obtenu le droit de garde, mais il a peut-être trouvé le moyen de le récupérer. Car la mère de famille semble avoir des problèmes pour s'occuper de ses enfants à temps plein. Ouf. Pour vous résumer un petit peu la situation. Ouf, scénario un peu plus tendu là. Depuis qu'ils sont séparés régulièrement. Là, c'est des parents qui veulent avoir la garde des enfants là. Sa future ex-épouse. Annule ses droits d'hébergement, c'est-à-dire qu'elle elle dit au dernier moment qu'elle n'est pas dispo pour garder les enfants et qu'elle demande à notre client de bien vouloir prendre la relève. Et toutes les excuses y passent. C'est à nouveau le cas ce matin. La mère de famille a encore prévu de laisser ses enfants à son mari. Quel motif elle a invoqué là pour pas pouvoir... Alors là, elle dit à son mari qu'elle va voir, enfin, qu'elle va visiter sa mère qui est souffrante. D'accord. Donc il doute un petit peu que c'est pas de la véracité de cette excuse. On verra. On a tout ce qu'il faut. On verra si effectivement elle se rend. Ok, on prend les prédictions. Est-ce que vous pensez que la mère elle va vraiment voir sa mère à elle? Je sens qu'on va être surpris par la réponse. D'après moi, elle va dans un truc totalement rien à voir. Ah ouais, on est d'accord là.
Depuis la séparation, la mère de famille est partie habiter dans le nord de la France et fait des allers-retours avec les enfants en avion à Paris, où son mari vit toujours. Okay. Elle nous cache quelque chose. Hein. Ont décidé de la prendre en filature dès son atterrissage à Orly, ce matin. Parce que là, par contre, si elle passe son temps à faire d'autres trucs débiles alors qu'il y a ses enfants, là, c'est vraiment chaud. Moi et Guillaume, toi, Anto, en voiture. Le père mériterait la garde. Qui sera notre backup sur la partie filature pédestre. On va voir son amant. Les gens parlent de maîtresse, c'est OK. Une demi-heure plus tard, dans l'un des terminaux de l'aéroport. Toute l'équipe fait le pied de grue dans le hall des arrivées. Denicia et ses collègues ont sur leur téléphone portable la photo de la mère de famille et de ses enfants. La pression monte, il ne faut pas les rater. On les ninjas là. Ok, c'est eux. Ouais, ils sont là. Voyons leur subtilité. Denicia a repéré la mère de famille. Elle se dirige vers la station de taxi. La voici en manteau noir avec les enfants. Oh. Sans attendre, Mathieu et Guillaume se précipitent sur leur scooter pour être prêts à la suivre. Par téléphone, Denicia leur donne les indications. C'est un D7. DV, faites-moi la plaque. La femme est montée dans ce taxi. Okay. Les motards s'élancent à sa poursuite sur l'autoroute. Le véhicule se dirige vers Paris. Alors les deux enquêteurs restent concentrés pour ne pas le perdre de vue dans le trafic. On est obligé un petit peu de zigzaguer pour être concentré à la fois sur la personne qu'on suit, pour être concentré sur la coordination avec, soit subtil surtout, avec là. Les équipes, pour être concentré sur tout ce qui se passe autour. C'est dangereux. Sans surprise, le taxi termine sa course au domicile du mari. Ok. Mais c'est après, où est-ce qu'elle va aller ? Doit y déposer les enfants. Ce qui intéresse les détectives, c'est la suite du voyage. Va-t-elle reprendre le train pour aller voir sa mère qui est souffrante comme elle le prête ? Non ! Moi, je dis que non ! Ou a-t-elle d'autres projets ? Il y a un truc trop louche là-dedans. Quelques minutes plus tard, elle ressort de chez son mari. Les détectives sont à l'affût. Elle est en train d'attendre là. Non, madame, soyez une mère responsable. Elle ne dit pas que vous allez faire quelque chose d'autre, de stupide. Il y a un Uber là. La femme repart dans cette berline noire. Dis-moi juste pas qu'elle va genre aller voir un mec. Oh, t'abandonnes pas tes enfants pour le... Non. Les deux motos lui emboîtent le pas discrètement, suivi par Denicia en voiture. Je l'ai. Ils sont plus ensemble, si. Attends, pour ceux qui n'ont pas compris, là, c'est juste en gros. Là, ils se disputent la garde des enfants. Mais lui, il veut prouver qu'elle, elle est pas là pour vraiment pour ses enfants. Qu'elle fait juste genre déposer les enfants chez son mari, son ex-mari pour le coup. Juste pour... Mathieu ne quitte pas sa cible du regard. Pour se débarrasser, I guess. Et la filature va prendre une tournure inattendue. Car au lieu de se diriger vers la gare, la femme a quitté son VTC dans une rue commerçante inattendue. Dans le sud de Paris. Quelle surprise. Quelqu'un prend le relais sur le pédestre là ou pas? Si, il nous faut un pédestre là. Il faut désormais suivre à pied, c'est Denicia qui s'en charge. Équipée d'une petite caméra dissimulée dans son sac, elle filme sa cible de loin. Une petite caméra. Et la détective va avoir une surprise. C'est très subtil comment tu le tiens. La mère de famille retrouve finalement un homme. Oh, quelle surprise, c'était inattendu. Jamais je m'attendais à ça. Arrête de parler fort. Elle n'est pas subtile. La femme semble avoir embrassé l'individu. C'est une première preuve qui confirme qu'elle ment à son mari, mais Denicia n'a pas réussi à avoir l'image probante. Alors, elle doit continuer sa filature. Voilà. Donc tu laisses tes enfants pour... Oh, pas ouf, madame. Pas ouf. Un café ou quoi, en terrasse. On attend, c'est toujours avec le même homme, qui est a priori son actuel compagnon. On peut pas trop définir la relation, mais en tout cas, on sait que c'est pas que de l'amitié. La détective va très vite avoir une confirmation de son intuition. Une heure plus tard, le couple repart et la filature reprend. Cette fois, Denicia a plus de temps pour bien se positionner et obtenir des clichés très parlants. Allez, montre-nous ça. Ah ouais. Ils se sont de nouveau embrassés sur la bouche. Là, ils se tiennent bras dessus, bras dessous. Voilà, on peut penser que c'est son petit ami. C'est quoi l'objectif pour toi, là? Mon objectif, c'est de collecter un maximum d'informations pour mon client.
qui est toujours marié à cette personne. Le couple se promène dans les rues de Paris. Mais la fille... Ok, ils sont toujours mariés, j'ai mal compris en fait, je pensais qu'ils étaient plus ensemble. Ils sont genre comme... va malheureusement s'arrêter brusquement. C'est rentré dans un immeuble là. Donc, on va attendre. Denicia a déjà des preuves qui confirment les mensonges de la mère. Vous avez l'air pas convaincu des 13 ans de carrière de la dame. Merci. Je pense que les 11 premières années, elle était sur Facebook. De famille. Je pense que c'est mais ça qui s'est passé. Son client a payé 3000 euros pour 2 jours de filature, alors ça pas peut question être, de ça. S'arrêter là. Avec l'un de ses collègues, la surveillance continue dans une boulangerie située juste en face de l'immeuble où se trouve le couple. Vous allez attendre longtemps, je pense, non ? On est plutôt pas mal. La détermination des détectives va une fois de plus être récompensée. Attendez, j'ai zappé encore une autre info, visiblement, j'ai regardé le chat, là, désolé. Songe de la mère de famille. Attendez, mais son client a payé 3000 euros pour 2 jours de filature, alors pas question... Je m'avais dit que c'était rentable, là ! Question de s'arrêter là. Yo, faut que je vais créer un vrai squad là, d'enquêteurs, là, qui est chaud. La surveillance, je vais vous trouver des clients, vous inquiétez pas. Située juste en face de l'immeuble où se trouve le couple. En vrai de vrai, il a pu demander à un de ses cousins ou peu importe de la suivre là, genre subtilement. 3000 balles pour ça, frérot. On est plutôt pas mal. Ah. La détermination des détectives va une fois de plus être récompensée. 2 heures plus tard, la femme ressort. Oh. Cette fois, elle est seule. Denicia et ses collègues vont assister à un drôle de manège. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est dans un strip club ? Elle est rentrée dans un sex shop qui est juste là. Lourd ! Visiblement, elle avait hâte au divorce. C'est juste ça que j'ai à dire. Hein ? Car la femme a affirmé à son mari qu'elle ne pouvait pas garder ses enfants pour s'occuper de sa mère malade. Oh là, vous avez pas honte, madame, là. Quelle mère irresponsable, en vrai, de vrai, là. Au bout d'un quart d'heure, elle ressort avec des achats. En vrai, je dirais juste au mari, appelle-la, juste pour être sûr, là, qu'elle est bien chez sa mère. Et quelques heures plus tard, les détectives vont avoir une nouvelle surprise. Quoi, encore, là ? Une autre situation encore plus croustillante. Il est 23h. Ouais, c'est bon, là ? Denicia et son collègue Mathieu sont toujours accrochés à ses basques. Oh, il la lâche la pas, là. La femme a rejoint l'homme avec lequel elle a passé l'après-midi. Oui. Mais il n'est pas seul. Il y a tout un groupe d'amis. Je me demande si c'est okay. Pas ça. Là. Si c'est ça. C'est ça ? Ouais. Je t'appelle et je descends. Un sac rouge ? Ouais, tout à l'heure, elle avait un sac rouge aujourd'hui. Okay. Bon, je vais descendre de ma voiture alors. Attendez, je suis désolé là, je vais mettre le suspense là juste parce que. Il y a mon chat qui est en train de niquer ma chaise. Est-ce que tu peux. Oh là là, elle veut juste l'attention, mon chat là. Arrête de niquer tout, mon chat ! La filature reprend à pied dans un quartier du sud de Paris. Ah, ça rentre. Donc ça vient de rentrer dans un immeuble rue. J'ai pas encore le numéro, je vais aller voir, mais j'attends que ce soit bien rentré avant de passer devant. Le groupe d'amis est entré dans une boîte de nuit un peu spéciale. Comment ça, un peu spécial ? On sait que c'est un bail échangé, je sais pas trop quoi là. Denicia tente d'obtenir plus d'informations sur l'établissement grâce à son téléphone portable. Ah, yo, je sens qu'on va être surpris parce que c'est. Alors à cette adresse, il y a le Club Libertin. C'était sûr. Oh what. Donc la mère, elle a donné comme excuse que sa mère était mal. Oh, elle a pas honte. Oh, elle a trop. C'est terrible. Oh non. Plutôt cocasse. Je connaissais pas le lieu personnellement. C'est elle avait hâte au divorce. C'est ça qu'on va les dire. Elle avait très hâte. Ont bien plus de preuves qu'il ne leur en faut. Oh non. Donc c'est aller dans le club que je t'ai dit là. Ouais. Club Libertin, moi je te montre un peu visuellement. Putain, le frérot, il va en avoir des preuves là pour ses 3000 balles, là. Il va avoir pour son argent. Je les ai quand il rentre dans le club, alors il y a un groupe de, personnes qui passent devant, mais elle, on la voit quand elle rentre, lui aussi avant. J'ai eu de la chance à terminer sa cigarette, et là, elle rentre. Ok, nickel. Ah, j'espère qu'elle aura honte là quand ils vont montrer les preuves. Ouais. Le lendemain matin, Mathieu fait son rapport à son client, par téléphone. Oh, comment il va dire ça ? Vas-y, frérot. Elle a trouvé quelqu'un à Paris. Ok. Un homme. Ouais. Ils sont allés chez lui. Enfin, ce qu'on pense. Comment ? Ah oui. Ils sont embrassés. Ils se sont embrassés. Oui. Ouais, vous pouvez le dire là. Tenus, ouais, bras-dessus. Il y a peut-être même plus même. Bras-dessus. Donc, clairement, on sait que c'est son nouveau compagnon, c'est sûr. Ok. Pour le sex shop. Elle est allée dans un sex shop. Okay. Elle est ressortie avec quelque chose ou elle est juste allée voir Ouais. Bon, pourquoi elle est curieuse comme ça Non, elle a
Ouais, alors je peux pas vous dire quoi, mais elle est ressortie avec un petit sac opaque. Je ne sais pas savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais oui, elle a fait un achat. Le client des détectives tombe des nues. Et ce n'est pas fini. Oh, le club échangiste, ça va faire mal au monsieur là. Il s'attendait pas à ça lui là. Alors, j'espère que vous êtes assis. Ils ont tous terminé la soirée dans un club libertin à Paris vers le centre Pompidou. Si, si. Non. Oh my god, frérot. Heureusement que tu as dit de s'asseoir là. Oh my god. Si, si. Oh my god. Oh, je pense qu'il s'attendait pas à ce soit aussi deep que ça. Oh là 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 là, la scénario catastrophe. Ténicia prépare un rapport avec tous les détails de son enquête et avec des photos de la filature. Oh, elle le transmettra ensuite à son client. Ouais, ma mère, elle est malade. Grâce aux preuves amassées, mais là, par il aura des éléments supplémentaires pour tenter de remettre en question le droit de garde de sa femme au moment du divorce. Pour les deux détectives, c'est une affaire rapidement menée qui se termine sans accroc. Bah, c'était pas mais très vous allez dur, voir hein. Que ce n'est pas toujours le cas. Waouh. Donc, alors, on y pense ou pas, là? 3000 balles pour juste ça? Easy win, là. On fait ça tous les jours. Il y a un business à faire. Du côté de Tours, en région centre, Fabrice... Et même, je vais charger un peu plus cher parce que nous, on est beaucoup plus subtil. Délicate enquête. Le détective doit retrouver le père biologique de sa cliente, Pauline. Qu'est-ce qu'il va faire? La jeune femme est gravement malade et elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Elle espère que ce père... Franchement, respect à cet inspecteur-là. Il chargeait combien? 1800 pour ça? Sachant que s'il ne réussit pas à trouver, il la remboursait. Et là, c'est clairement plus un challenge. Qu'elle là. Ne connaît pas clairement sera compatible. Vas-y, bonne chance, pour Fabrice, c'est une mission de première importance. Un combat pour la vie qui le touche particulièrement. Car le détective est aussi père de famille. Depuis la rencontre avec Pauline, il m'arrive de ne pas bien dormir, justement, tellement j'ai la pression de bien faire. Donc voilà, j'ai hâte d'avancer parce que... Pauline attend et je suis vraiment impatient d'y voir un peu plus clair dans cette histoire et de savoir où son père se trouve. Première étape de ses recherches, rencontrer celle par qui tout a commencé, la mère de Pauline. Ouais, logique. Elle habite à quelques kilomètres de Tours, au milieu de la campagne. Je veux dire, si vous êtes des bons enquêteurs, là, si vous aviez aucune information, vous partiriez de quoi? Bon, déjà, à la base, moi, je pense que c'est une bonne chose là, qu'il y allait voir la dame, comme ça, avoir un petit constat de visage et tout. Peut-être tu demandes en fait s'il y a des potes en commun. Facebook, bro. Ouais, je vous comment dire, vous êtes des enquêteurs d'escape là? Peut-être un peu plus original. Les réseaux. Ok, mais imaginez, ok, vu que c'est quelqu'un qui est plus vieux, qui a pas Facebook. Oubliez internet deux secondes. Les copains d'avant. Ouais, je pense que c'est les potes. C'est ici. Numéro 10. La famille, c'est sûr qu'elle connaît des membres de sa famille. Ou un truc comme ça. Bonjour, monsieur Gros. Merci de me recevoir. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Très bien, je ne vous amène pas le soleil. Ah. Sophie, la maman de Pauline, vit avec un fils qu'elle a eu avec un autre homme. Il s'appelle Franck, c'est le demi-frère de Pauline. Ok. De cet entretien, Fabrice espère obtenir une première piste pour démarrer ses recherches. Grosse histoire. On l'espère, please. Vous posez pas mal de questions, hein. Ça va être un petit interrogatoire, mais gentiment. Il va falloir que je remue un petit peu le passé. Je suis désolé, mais c'est important. Oui. Tout commence il y a 22 ans. À l'époque, Sophie est serveuse dans un bar de Libreville, la capitale du Gabon. Okay. C'est là qu'elle rencontre Claude, le père de Pauline, un Français expatrié. Okay. Sophie est amoureuse et elle tombe rapidement enceinte. Elle pense faire sa vie avec lui, mais Claude n'a pas les mêmes sentiments et il va lui faire un mauvais coup. Il va gosse pour de vrai. Il s'était marié pendant que moi j'étais enceinte. Il paraît que c'était une Algérienne. Concernant cette femme algérienne, pas de prénom, rien pour vous? Merde, ah ouais, ça c'est pas cool ça pour le coup là. Claude, là t'as foiré. Ou elle s'appelait, si c'est Alima ou quelque chose comme ça. Vous avez déjà dit que j'étais canadien? Pour Fabrice, c'est un indice crucial. Car il existe peut-être un document officiel avec l'adresse du père de Pauline. De très vagues souvenirs et aucune compatibilité avec sa fille, la maman est effondrée de ne pas être d'un plus grand secours. Vous avez beaucoup d'espoir là aujourd'hui? C'est vrai que la peur est là. Aïe. Le passé qui revient. Ouais.
l'espère. Tous les espoirs reposent désormais sur Fabrice. Entre ses mains, l'avenir de Pauline et de toute sa famille. Rends-nous fiers. Et c'est la seule enquête où je l'en souhaite vraiment, là. De retour chez lui. Imagine, le père est décédé. Au moins, je pense qu'elle aura au moins... ça va avoir des réponses, la fille, là. Je peux comprendre, là. Et on sait pas, peut-être le père, c'est vrai qu'il existe, peut-être qu'il est plus là. Au travail. Il a maintenant une piste sérieuse. Mais on croit, là. Le mariage du père de Pauline avec une Algérienne, il y a plus de 20 ans. Pour vérifier cette information et peut-être obtenir d'autres précieux renseignements, Fabrice décide d'appeler le service du ministère des Affaires étrangères qui recense les mariages à l'étranger. Intéressant. Oh, pas mal ça. Bonne stratégie. Oui, bonjour Monsieur Bro Fabrice, je suis enquêteur privé agréé auprès du CNAPS qui émane du ministère de l'Intérieur et je me permettais de vous contacter dans le cadre d'une recherche dans l'intérêt des familles qui est en cours pour un mariage qui aurait lieu au Gabon suite à une disparition en 1995 ou 96 au nom d'un monsieur Claude. Oui, alors il a été marié le 9 mars 1996. Oh, c'est intéressant, c'est une bonne piste. Très bien. Je veux localiser son adresse. Est-ce qu'il aurait fait une demande d'acte de mariage par voie postale ces dernières années? Attendez, j'ai vérifié. Effectivement, je peux vous dire qu'il y a eu une demande d'acte de mariage, oui, en 2010, qui a été envoyée à Villeneuve-les-Béziers. Inespéré. Moins de 24 heures d'enquête et déjà une adresse. Très fort, un très très fort mon gars. Situé près de Béziers dans le sud de la France. L'homme y vit peut-être encore. Oh, ça c'est fort là, Siri Cisco. C'est inattendu. Je n'avais aucune certitude qu'il soit revenu. Mon gars Fabrice, on avait toujours confiance là. Une super nouvelle pour Pauline. Hein. Après rien ne me dit qu'il y est toujours. Hein, j'espère que ça va être une belle fin là. Please. T'es sur quoi encore, frérot? Pour vérifier, Fabrice a prévu de partir le lendemain matin dans le sud de la France. Il n'en est qu'au début de son enquête et elle semble déjà presque bouclée. Mais vous allez voir qu'elle va connaître de nombreux rebondissements. Oh non! Oh, je sens que notre cœur va être brisé là, dans ce scénario-là. Aïe aïe aïe. Le métier de détective privé n'est pas toujours de tout repos, mais en France, les meilleurs peuvent gagner musique, jusqu'à 6000 euros par mois. Panther. Un bon revenu qui Pink crée Panther. De nombreuses vocations. Mais pour exercer ce métier très réglementé, il faut décrocher un diplôme agréé par le ministère de l'Intérieur. C'est obligatoire. En France, seules 4 écoles proposent une formation pour le préparer. À Paris, Melun, Nîmes et Montpellier dans le sud de la France. Venez, on fait un nouveau concept. Venez, on crée un truc de détective indétectable. Comme ça, on n'a pas besoin de faire la formation qui prend je sais pas combien de temps là. Cette école. Moi, je vais être détective sans avoir besoin de diplôme. C'est bon ? Tout le monde est installé ? Dans la nouvelle promotion, 17 élèves assidus. Moyenne d'âge 25 ans, tous ont déboursé 6000 euros pour réaliser leur rêve. 6000, ok, je m'attendais à plus que ça. Ça va. Devenir là, détective privé et ouvrir leur agence. C'est cher, mais quand même. Hein. Parmi eux, c'est combien de temps, la formation ? Jérémy, 26 ans. Pour décrocher son diplôme, il va devoir suivre une formation intensive de 9 mois dispensée par de vrais détectives. Ok, je m'attendais à ce que ce soit plus long que ça, mais ok, c'est tout. On avait ensemble évoqué, c'est vrai que ça revient cher. Vous savez, l'entretien avec le futur client, le mandant. Et on avait parlé un peu de secret professionnel l'autre fois. À partir du moment où il va nous appeler, on pourra considérer qu'on est dans le secret. À partir de là, vous avez un secret professionnel à préserver, okay. Hein, le secret du client. Et ça, c'est très, très important à savoir. C'est la base. Au programme, okay. Cours de déontologie, de droit, de comptabilité, cybercriminalité, mais aussi de nombreux travaux pratiques propres à leur futur métier. Sur la concurrence, ok, d'accord, je vous suis, ouais. Cet après-midi, avec Yves, un détective du centre, Jérémy va apprendre l'art de la filature. Oh, je vois en fait, ok, on va voir si ça vaut vraiment la peine, si ça vaut vraiment les 6000 euros en tout cas. Un exercice qu'il redoute, car il va avoir lieu dans les rues de Montpellier en conditions réelles. On voit la subtilité. Il y a beaucoup d'excitation, mais aussi beaucoup de stress aussi avant de débuter la journée. Quoi. C'est la préparation, c'est le matériel, avoir tout ce qu'il faut sur soi. Et puis en même temps, c'est gymnastique intellectuelle pour tout mettre en place rapidement. Quoi. Égare aux erreurs,
car les élèves vont travailler en petits groupes sous le regard affûté de leur professeur. Bon. C'est quoi l'exercice ? Alors, avant de prendre la voiture. Okay. Donc on va se partager le travail. Jérémy va faire le détective. Et vous, vous allez prendre la voiture pour faire le lièvre. Allons-y, c'est parti. Le lièvre, le professeur comme les détectives privés l'appellent dans leur jargon, c'est la cible à surveiller. Damien, 35 ans, va endosser ce rôle pendant une heure. Derrière lui, dans une autre voiture, avec le professeur, Jérémy doit le filer en toute discrétion. Ok, l'exercice est pas mal. L'objectif, c'est de suivre une voiture sans être vu et pas coller la voiture comme on suivrait un véhicule d'un ami pour aller au restaurant. Une voiture intercalée et une filature à bonne distance. Mais gare au piège, notamment les feux rouges. J'avoue, après tu peux perdre le... j'avoue. Pas question de le griller pour Jérémy. Les détectives font quelquefois... Fait comme dans Escape Main Balise. ...pour rattraper un véhicule qui est devant eux. Mais il est hors de question de brûler un feu rouge, de brûler un stop. On risque de créer un accident si on ne respecte pas le code de la route. Merci, Captain. Avec le professeur dans le dos, Jérémy doit respecter la théorie. Et c'est forcément beaucoup moins spectaculaire que dans les films. Le jeune étudiant a même un peu l'impression de repasser son permis de conduire. Allez-y, allez-y, là, c'est bon. Accélération. Ah là, vous avez calé, c'est pas bon. Vous êtes pas bon, okay. Ah ouais, mais je préfère être sûr, c'est pas mon permis de conduire, permis de conduire, c'est sûr, quoi. C'est pas parce que c'est votre voiture, par sa conduite, pas, c'est le problème. Allez-y, vous laissez, attention, attention. Je l'ai vu, je l'ai vu. Merci, 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 voilà. Ouah, le prof chien. C'est bien. Ça y est, il veut montrer. Il en a marre déjà, là. Donne-moi mon diplôme, monsieur. Quoi. J'ai l'impression d'avoir 4 ans de nouveau. Malgré les blagues de son professeur qui cherche à le déconcentrer, Jérémy n'a pas perdu sa cible. Ah ok, peut-être c'était la ça en fait. La surveillance se poursuit sur le parking d'un supermarché. Subtil même dans le jeu de regard. Là, tu penses que t'es bien positionné ? Bah, là, je suis dans le sens de la marche, donc ça va me permettre, moi, en rentrant dans mon véhicule, de la voir partir, parce que j'ai un visuel, je suis caché par un arbre. Et dans le sens de la marche, je vais pouvoir partir naturellement derrière. Moi, je sortirais en premier dans ce genre de scénario. J'en te sens en premier de la voiture juste pour faire genre que ouais, t'étais exposé là. Allez chercher votre appareil photo, parce que même c'est s'il le pleut. Moment de prendre allez, des photos. Allez, ça sort, subtil. C'est la sortie, à la rentrée dans les véhicules qu'on peut prendre des photos. En fait, il faut toujours avoir son appareil sur soi. Oui, à portée de main. Et pas trop à vue de tout le monde, même dans la voiture. Imaginez un instant que la cible vous repère, s'approche de la voiture en disant « Monsieur, vous êtes en train de me suivre » et qu'elle voit l'appareil photo sur le... Donc c'est un peu compromettant. Surtout qu'aujourd'hui, si j'étais enquêteur, là, j'utiliserais pas d'appareil aussi gros. Tu sais, maintenant, tu peux tout faire avec tes téléphones. Pour le moment, Jérémy n'a fait que de petites erreurs. Mais l'exercice se corse. Car ouais, Damien, qui joue la cible, a décidé de se rendre dans le supermarché. La filature doit donc se poursuivre à pied et à découvert. Là, il y a une seule sortie. Quand ton téléphone, c'est réglé. En plus, ça passe. Genre, c'est... Ouais, j'ai mon téléphone. Je vais forcément l'avoir en visuel quand tu vas ressortir. La stratégie de Jérémy... Quand même. Mais maintenant, les nouveaux téléphones, là, ils ont des zooms semble fonctionner. Puissants. Ben, il arrive par là, je vais simplement le laisser passer et je me mettrai derrière le bus et je repartirai dès qu'il serait passé devant. Sur le parking, c'est une véritable partie de cache-cache qui s'improvise et Jérémy semble avoir les bons réflexes. Très subtil, comme tous les détectives qu'on a vus. Il retourne à son véhicule, donc justement l'avantage de placer ici, c'est que j'ai pas besoin de lui passer devant pour rejoindre mon véhicule. C'est reparti pour un tour. Au total, l'exercice va durer plus d'une heure. Malgré quelques erreurs de jeunesse, Jérémy a réussi à prendre pas mal de photos sans se faire repérer et il n'a pas perdu sa cible. Lorsqu'il sera en situation réelle, il n'aura pas le droit à l'erreur. La montée d'adrénaline, c'est d'ailleurs ce qui lui plaît, car il exerce déjà un autre métier qui lui en procure beaucoup. C'est quoi ? Ah bah merci à la transition. Quelques jours plus tard, on va au Gabon ? Près de Montpellier. Oh, j'ai rien dit. Il est un peu plus de 7 heures. Les habitants ne se doutent pas qu'un événement est sur le point de bouleverser leur tranquillité. Oh. Au centre-ville,
C'est pourtant le branle-bas de combat. Ah, Pompée, ça a été dit, excusez-moi, je... Un incendie vient de se déclarer dans cet hôtel rempli de touristes. J'ai un QI faible. Depuis une demi-heure, 15 sapeurs-pompiers sont sur le pont pour les secourir. Parmi eux, Jérémy, l'apprenti détective. Ah ok, évidemment, évidemment. Quel héros alors. Respect à tous les pompiers. On a des personnes qui sont manquantes. D'accord, combien ? Deux personnes apparemment qui seraient manquantes. L'heure est grave, mais Jérémy va avoir du flair. Caché dans cette salle de bain, les deux jeunes femmes qui manquent à l'appel. Très fort, très fort. Heureusement pour Jérémy et ses collègues pompiers, ce n'est pas un véritable incendie. C'est un entraînement en conditions réelles. Les deux victimes sont des bénévoles, elles jouent la comédie. Le jeune étudiant détective met du cœur à l'ouvrage car c'est sa passion. Il est sapeur-pompier volontaire depuis près de 10 ans et c'est justement ce métier qui lui a donné envie de devenir détective privé. J'essaie de comprendre la logique. Ouais, ça se ressemble un peu. C'est pas le même pareil que les pompiers, on retrouve jamais la même chose. Mais en tout cas, c'est bien pompier. Ce que je voulais pas lâcher, c'était côté adrénaline, passer voir ce qu'on va retrouver à chaque intervention. Et voilà, on y est. Après avoir décroché un master en droit, Jérémy ne se voyait pas devenir avocat, trop monotone à son goût. Frérot, un palmarès. Alors il a opté pour une formation de détective. En fait, je me suis renseigné seul sur Internet. J'ai regardé les prérequis, ce qui était demandé pour intégrer très chaud, la formation. Frérot. Et puis quand j'ai vu que je rentre, ça fout le seum à tout le monde dans le chat là actuellement. Je me suis dit, voilà, c'est pour moi quoi. Je déconne, vous êtes pas illettré ni analphabète. Ce choix de carrière original a surpris tous ses collègues à la caserne. Mais ils se sont vite rendu compte que Jérémy ne plaisantait pas. Ah, oui, c'est sûr qu'au début, on a un peu charrié, on en a rigolé. Parce qu'il a un peu tête en l'air. Mais il faut pas le dire. Oh my god, mais on dirait que c'est la base, là, t'es détective privé, tu le dis pas? C'est en mode... ouais, agent secret, là, je dirais jamais que je suis. Attention par rapport à ça, quoi. Aujourd'hui, tous ses collègues le regarde soutiennent. Regarde ça, Loki. Mais Jérémy va bientôt devoir faire ses preuves, car il a été pris comme stagiaire dans une agence de détective. Pour lui, stagiaire. Ce sera le moment de vérité. À une centaine de kilomètres de là, sur l'autoroute, Fabrice espère lui aussi résoudre son enquête au plus vite. Il cherche le père biologique de Pauline qui a besoin d'une greffe de moelle osseuse pour survivre. On revient sur le scénario type. Le détective a obtenu une adresse près de Béziers sur les bords de la Méditerranée. Dernière adresse de ce père inconnu. Il espère le trouver là-bas. Une adresse qui... Et toi, Madis, c'est quoi ton palmarès? Alors, je ne veux pas me la péter, mais sachez que je suis capable de faire cuire du riz minute en 58 secondes. On monte à 2010, donc ça fait 8 ans. Vous voyez jaloux ? Ça, c'est un truc que personne ne peut faire. On approche de son père, mais il est encore, il n'est pas encore à notre portée. Après 6 heures de route depuis la région centre, Fabrice arrive enfin à Villeneuve-les-Béziers. Mais le détective a un problème. Il a un nom de rue, le chemin des salons, mais pas de numéro. Mais pas de numéro. Genre, tu l'as pas entendu, ok. J'espère que le chemin n'est pas très grand. Apparemment, il n'y a pas beaucoup d'habitations, donc il va falloir que je fasse une petite enquête de voisinage. Ah, please, j'espère qu'il j'ai est là. J'ai l'impression que c'est la factrice. Je vais aller la voir tout de suite, d'ailleurs. Coup de chance, si le père de Pauline est toujours là, la factrice le connaît forcément. Bonjour, madame. Excusez-moi. Je suis Fabrice Brault, je suis détective. Vous c'est cool, ça te faisait comme ça, je suis détective. Vous êtes la factrice du village. Je cherche une famille dans le cadre d'une recherche de personnes. Une jeune fille recherche son père biologique. Et son père biologique vivait en 2010, chemin des Salons à Villeneuve. Cette famille s'appelait famille S***. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, moi, je ne suis pas là depuis, ça fait 9 mois. Alors... D'accord. Ce nom-là, vous ne dit rien non plus. Il faut sonder le voisinage. Bon, écoutez, je vais taper aux portes, on verra. Ouais. Merci, bon courage. Ouais. Au revoir. C'est mauvais signe. Mais Fabrice ne se décourage pas. Une seule solution,
faire du porte-à-porte. Ouais, je pense que c'est la seule solution. Bonjour, madame. Vas-y. Excusez-moi de vous déranger. Je recherche une personne qui aurait habité dans le chemin des Salans en 2010. C'est vraiment triste comme scénario. Hein. Vous n'êtes pas d'ici, ça ne vous dit rien. Bon, bah, excusez-moi. Ils vivaient en Afrique auparavant et ils sont venus ensuite vivre sur Villeneuve-les-Béziers. Oh non. Là, moi, personnellement, ça ne me dit rien. Ouais. Moi, je connais pas. Okay. Ah merde, non. Oui, voilà. Faut pas que l'enquête s'arrête là, ça non. Ça vous dit rien. Une heure plus tard, toujours aucune trace du père de Pauline. Fabrice est dans l'impasse. Non, Fabrice. Je vais l'arriver. Personne ne les connaît, c'est incroyable. Mais bon. Il décide alors de changer de méthode. Direction la mairie, il espère trouver le nom du père de Pauline sur les listes électorales. Imaginez, il avait donné un faux nom à sa mère. C'est public, n'importe qui peut les consulter. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je suis Fabrice Brault, je suis détective privé. Oui. Pourriez-vous un monsieur sur les listes électorales? Absolument pas. Ce n'est pas gagné, mais un employé municipal finit par avoir un déclic. Oh, oh le miracle. Je crois qu'il s'est tué en voiture. Il se rappelle de ça? Il s'est tué en voiture dans le chemin près de son domicile. Oh mon Dieu. Oh. C'est dramatique. Ouais. C'est le pire scénario. Le père de Pauline est mort. Fabrice ressort abasourdi avec l'acte de décès à la main. C'est un coup dur pour elle. Et, Bon, ouais, maintenant, on va le savoir, là. Shit. Ouais, ça fait mal au cœur. Hein. Ouais. Donc, il est décédé à l'âge de 42 ans. Il se serait tué en voiture. Proche du domicile de sa mère, qui était un squat. Où il vivait de façon plus ou moins officielle, plus ou moins autorisée. Impossible d'annoncer cette nouvelle à Pauline par téléphone. Fabrice refuse de s'avouer vaincu et il a déjà une idée en tête. Ah ouais? Attends, comment ça? Qu'est-ce qu'il va faire de plus? Dans ce cas de figure si particulier, j'ai vraiment besoin d'apporter des nouvelles, au moins une nouvelle positive, hein, avec cette nouvelle dramatique que je dois contrairement à l'autre là, qui est avec son téléphone. Je vais essayer de savoir s'il a des frères et sœurs qui pourraient être des donneurs potentiels pour elle. Donc non, je vais attendre d'avoir d'autres informations. Ultime espoir, élargir ses recherches. Un oncle, une tante, un membre de la famille. Si son défunt père a encore des proches vivants, Pauline a peut-être une chance d'obtenir sa greffe. Après, c'est chaud. Vous, est-ce que vous seriez prêt justement à quelqu'un... en fait, que vous appreniez que quelqu'un de votre famille, éloigné, que vous n'avez jamais rencontré de votre vie, avait besoin d'une grève. Est-ce que vous le ferez ou pas? Parce que c'est... Ouais. Mais il y a plein de gens bienveillants dans le chat, là. Ok. Pour sauver une vie, ouais. Si c'est de retour bien sûr, à son hôtel, le détective reprend son enquête de zéro. Et il a peut-être trouvé une nouvelle piste. Le grand-père paternel de la jeune femme. Ah, quoi ? Coup de chance, sur l'acte de décès, Fabrice a trouvé son adresse et elle semble valide. Car elle est toujours répertoriée dans les pages blanches de l'annuaire téléphonique. Le grand-père y vit peut-être encore. C'est formidable l'adresse. Si le grand-père est vivant, ce serait un truc de fou. Ce qui peut m'inquiéter, par contre, c'est que c'est au nom de l'épouse. C'est peut-être que cette dame est veuve. Le grand-père paternel de Pauline est-il toujours en vie? C'est la question qui obsède Fabrice. Pour le savoir, il décide de se rendre immédiatement sur place. C'est reparti pour 5 heures de route. Car l'adresse indique un petit village près de Bordeaux, sur la côte atlantique. Fabrice est impliqué, j'adore Fabrice. En moins de 48 heures, Fabrice a déjà avalé plus de 1000 km. La routine pour le détective privé. Et en vrai, il a pas fait comme les deux autres là au téléphone. France, ouais, il y a eu ça, ça, ça. Pas travers, de... mais sans ça, on n'avance pas. Donc, je n'ai pas le choix. Pour Pauline, je me dois de le faire. Et puis, espérant que ce déplacement serve à quelque chose de concret. 5 heures plus tard, Fabrice arrive enfin avec le sentiment de toucher au but. Dans quelques secondes, il devrait avoir des réponses à ses questions. Reste à savoir si le grand-père paternel de Pauline est toujours en vie. Ça serait quand même... Bonsoir monsieur, excusez-moi de vous déranger si tard.
Je suis Monsieur Bro, Fabrice. Je suis enquêteur privé spécialisé dans les recherches dans l'intérêt des familles. Et je vous appelle concernant votre défunt fils Claude. Est-ce que vous pouvez m'accorder 3 petites minutes? C'est vraiment très très important, je vous l'assure. Je ne me permettrai pas de venir vous déranger. Non, mais parce que vous voyez, oui, je comprends. On est en train de manger du crabe en plus. Ah, pardon. Mais racontez, comme je vous dis... C'est bien le grand-père de Pauline, mais Fabrice va avoir une très mauvaise surprise. Il mange du crabe, donc on va pas le déranger. Quoi ? Deux ans qui... Mais il y a des priorités. Claude, malheureusement, on sait très très peu. Ils ont flouté le texte ? Oui. Parce qu'il a fait tellement de conneries que moi, personnellement, ah ouais, je ne l'ai pas accepté. Oui. Ah ouais. Il est venu 2 ou 3 fois à la maison, c'est tout, point barre. Et puis il a menacé ma femme de mort, D'accord. Donc ça ne pouvait pas mal fonctionner. Non, je comprends. C'est pour ça que la priorité est le crabe, pas longtemps, 5 minutes. Je vous présente 2-3 documents qui concernent cette jeune fille. Oui, mais moi, personnellement, vous savez, quelque part, j'en ai pas grand-chose à faire. Non, bah, je comprends. Oh là là, il pèse pas ses mots, le frérot, là. Après, ma demande est vraiment spécifique vous du crabe, par là, rapport à une jeune fille qui est mourante, en fait. Excusez-moi, mais non. Ah ouais, là, rien à foutre. C'est sûr et certain. Ouais. C'est pas un beau roman, c'est pas une belle histoire. Oh, le grand-père a tourné la page. Fabrice repart sonner. En quelques secondes, tous ses efforts viennent à nouveau d'être anéantis. Merde. T'as Fabrice qui a fait tout ça pour un... Oh, y a du crabe. C'est un échec. Voilà. Donc je suis un peu... Il a même pas accordé quelques minutes, là, c'est terrible. Même si le sort s'acharne, pas question de baisser les bras. Le détective n'a pas dit son dernier mot et vous allez voir que son enquête est loin d'être bouclée. Fabrice ! Quel héros, Fabrice ! Il s'arrête pas ! Ça veut vaincu, lui ? Non, jamais. Je t'ai fait comme Fabrice. À Marseille, près du port, c'est enfin le grand jour pour Jérémy, l'apprenti détective. Yes, le stagiaire ! C'est aujourd'hui qu'il démarre son stage dans l'une des plus importantes agences de la région. Une belle opportunité qu'il a obtenue grâce à l'un de ses professeurs, Jean-Christophe Haru. Comme les résultats de son étudiant étaient bons, il l'a recruté dans sa propre agence. Ok, je suis curieux là. Fabrice, déconne pas. Mais Jérémy pas Fabrice. Va devoir faire ses preuves. Jérémy, et ça commence sur les chapeaux de roue avec une enquête sur de faux arrêts maladie. Je tenais juste à faire un petit message. Ça, je sais que ça va être un moment cringe pour certains d'entre vous, très gênant et tout. Mais merci à tous d'être là en passant. Yo, on est 3005 alors que je fais jamais d'annonce nulle part. Twitter, Instagram, je sais même pas ce que c'est. Et vous êtes là. Yo, ça fait grave plaisir. Des bisous sur vos gros fronts. Donc, Jérémy. Voilà, c'était gratuit. Alors là, vous allez... Gênant, je sais, c'était horrible. On passe à autre chose maintenant. Seul sur cette affaire, dans le sens où ça va pas être très compliqué. J'espère que vous allez vous sentir parce que c'est du statique dans un premier temps. Jérémy va devoir surveiller un commercial qui sillonne la région pour vendre du matériel médical à des médecins ou des hôpitaux. L'homme est normalement en arrêt maladie, mais son patron le soupçonne d'avoir monté une entreprise concurrente et de travailler pour son propre... Commencez pas à envoyer de l'amour et prendre la confiance dans le chat, ou pas que je suis un dictateur, s'il vous plaît. Écoute. Une concurrence déloyale que le nouveau stagiaire va devoir prouver. On a le véhicule. On a la tête de la personne. Le nom, évidemment. Faites du profilage, regardez la photo, imprimez-la, regardez-la longtemps. Et il faut vraiment imprimer, avoir une mémoire visuelle du visage. Et les traits, hein, le nez, la bouche. Les détectives on regarde, on reste concentré, disposent également d'une autre information capitale. Le commercial aurait un rendez-vous aujourd'hui dans un cabinet médical pour vendre du matériel. Jérémy a la pression, il va devoir se poster en embuscade et le photographier en flagrant délit. La priorité reste quand même le check du fait qu'il y soit ou qu'il y ait été. Ça, c'est le plus important, c'est l'apport de preuves formelles. Ok, c'est le moment de montrer. Faire tes preuves, frérot, là, let's go. Cette fois, c'est pour de vrai. Alors, pas question d'oublier son appareil photo dans le coffre de la voiture. Jérémy est bien décidé à tout faire pour revenir victorieux et marquer des points auprès de son professeur. Let's go. Ça va, j'essaie de pas trop stresser, juste un peu par le temps, là, parce que du coup, pas du coup je sais que la personne a rendez-vous à 15h, là il est 14h50. Si Jérémy est un peu stressé, c'est surtout parce qu'il ne connaît pas Marseille. Même avec son GPS, difficile de trouver son chemin. Alors du coup, qu'est-ce qu'il me dit de faire? Ouais, bah super. Ouais, oh, d'autres fois que son Waze, là, qui pète un plomb. On va faire des retours. Merde, là.
Je me suis planté le chemin, il faut rattraper un peu le temps perdu. C'est pas le moment de se prendre un piéton ou quoi que ce soit qui sort de nulle part, ou une voiture, donc on va là-bas. Finalement, l'apprenti détective arrive à bon port, okay. Sans encombre. Donc là, je vais laisser. Ils ont dû stresser pour rien, en fait. Quelques minutes pour installer son matériel, un appareil photo-caméra qui va filmer en continu l'entrée du parking où se trouve le cabinet médical. Donc là, je suis pas mal positionné parce qu'en plus, je suis derrière. Donc très subtil, il va pas voir, très ninja. Il va pas voir que je suis là. C'est parti. Ambiance prank sur YouTube. Genre. Jérémy est fin prêt et il est témoin une. Alors qu'il sort de la voiture, il tombe nez à nez avec celle du commercial. Oh shit. Ouais, c'est lui, ouais. On va se mettre en position plus loin. Pour mettre toutes les chances de son côté, le jeune détective décide de multiplier les angles de prise de vue. On dirait qu'il a la même, comment dire, confiance que ceux qui avaient 13 ans d'expérience. De pas ? Avec son téléphone portable à la main, il se positionne à l'autre bout du parking. Les deux groupes toujours aussi gênés. Genre. Une stratégie qui va fonctionner. Oh. Voici les premières preuves qu'il attendait. Le commercial en costume cravate, en flagrant délit de mensonge. Alors qu'il est en arrêt maladie, il est bien au rendez-vous pour rencontrer un médecin généraliste. Jérémy doit maintenant se cacher en attendant qu'il ressorte. Donc le plus risque, ça va être de ne pas être trop près. L'avantage, ça aurait été un peu trop à gauche à droite, là. En face. Parce que du coup, on aurait été invisible. Est-ce que vous pensez que pour être naturel, là, pour avoir l'air en tout cas naturel, vaut mieux pas genre mettre, tu sais, des écouteurs, regarder ton téléphone et juste de temps en temps lever les yeux? Là, je suis derrière une caméra. Question d'acting, là, tu vois. Je vais pouvoir me reculer si jamais. Et là, j'ai la vision sur la porte. Trois quarts d'heure plus tard. Oh, le ninja, oh, la subtilité. Le commercial refait son apparition. J'avais dit avec Jérémy le téléphone. Jérémy n'en perd pas une miette. Le jeune détective a maintenant toutes les preuves qu'il lui faut. Déjà là, on a pas mal d'infos puisque on l'a quand il rentre chez un médecin. Je suis sûr qu'on pourrait faire des bons détectives. C'est ce qu'il fallait prouver. Mais la filature n'est pas encore terminée, car contre toute attente, le commercial ne repart pas en voiture. Oh, il va le suivre. Oh, t'es motivé, frérot. Oh, la subtilité. Oh, le ninja, comment il s'est caché. Pour toi, il est juste devant nous. Aussi subtil Jérémy que dans la Assassin's Creed, là. Caméra au point. Génial. Et la filature le conduit tout droit dans un hôpital. Ouais, on y va. On trace. Peut-être un autre rendez-vous commercial. Jérémy sent qu'il va pouvoir faire d'une pierre deux coups. Subtil, on t'avait dit, Jérémy. Il ne doit pas le perdre de vue. Dépêche. Mais le jeune détective a commis une erreur de débutant. Il a laissé trop d'avance à sa cible. Oh là là, Jérémy. Donc là, je sais pas où il allait. Le commercial s'est volatilisé. Je pense que la caméra du caméraman dans ce genre de contexte-là, elle est plus petite. Là, je pense pas que c'est une grosse caméra. Pris de vitesse, Jérémy préfère appeler ses collègues à la rescousse. Imaginez, c'est une grosse caméra comme dans les émissions. Là. Ah, ça commence mal, frérot. J'ai fait les deux premiers étages, regardé dans les couloirs, je l'ai pas vu. J'ai pas fait le troisième, mais je suis sûr qu'il s'est arrêté attends, au le dehors. Premier ou au deuxième. Attends, là, la sortie. Ok. Jérémy suit les consignes à la lettre. Donc l'entrée là, principale, le hall principal, il se trouve ici. Donc s'il sort, on le verra passer juste par ici. Une demi-heure plus tard, toujours pas de commercial en vue. Jérémy commence à douter. Sois patient et surtout sois subtil. Je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il a pu sortir par un endroit que j'avais pas en visuel? Est-ce que j'ai pu le louper sortir? C'est une question que je me pose. Donc voilà. Pour en avoir le cœur net, l'un de ses collègues va lui prêter main forte. Au même moment, il veut vérifier si la voiture du commercial est toujours garée au même endroit. Ouais, si elle est. Oui, Jérémy. Ouais. Devant le Ministore. Juste devant, sur une place de parking avec une croix dessus. Croix blanche dessus.
L'arrière de la bagnole est défoncé. Et je suis bientôt là, sinon 5 minutes même pas. Ok. Il a placer la caméra de derrière sa voiture là. Là où est-ce qu'il va la voiture du gars. Malheureusement pour Jérémy, quelques minutes plus tard, c'est la déception. Aïe, première mission, une défaite pour notre frérot Jérémy. Ouais, Karine. Ouais, bah Cyril m'a envoyé un message, la voiture est plus là. Ma faute. Allez frérot, ça commence mal. Être pompier, c'est pas si mal aussi. J'aurais dû le coller à fond, quoi. Allez, à tout à l'heure. Plus tard. L'apprenti détective est déçu, mais cette erreur de jeunesse devrait lui servir de leçon. De retour à l'agence, il espère que son professeur ne lui en tiendra pas rigueur. Je pense que ouais. Qu'est-ce qui s'est passé au détail ? C'est quoi l'erreur ? L'erreur, c'est que au changement de direction, quand il me prend dans l'escalier, il faut que je sois derrière lui dans l'escalier, quoi. Vous voyez un hôpital, c'est pas une maison individuelle. Vous dites quoi ? Vous dites si je le loupe visuellement, je suis mort. Et vous êtes mort. Et alors, je vais vous dire, un hôpital ou autre, à partir du moment où ça part comme ça, c'est une chance sur 10, une chance sur 100 pour récupérer l'affaire. Ouais. Pratiquement impossible. Vous voyez, il y a du chemin à faire encore. Ouais, bah oui, ouais. C'est pour le prochain épisode. Hein. Ouais. Même s'il a commis une petite erreur, mais Jérémy a tout de même réussi sa mission, car il a rapporté de nombreux clichés du commercial en pleine action. Des preuves qui permettront à son patron de monter un dossier contre lui et de porter plainte pour faux arrêt maladie et concurrence déloyale. Ok, legit, au moins il aura des quelques maladresses, le jeune apprenti a donc réussi son entrée dans le petit monde des détectives privés et il semble promis à une brillante carrière. Allez, on a confiance en toi, mon cher. Merci beaucoup. Un jour, tu seras du niveau de Fabrice. Ciao et à bientôt. Toujours sur la route, Fabrice poursuit son combat pour sauver la vie de Pauline. La jeune gars, Fabrice finit sur une bonne nouvelle. Hein. Qui a besoin d'une greffe de moelle osseuse et qui cherche un parent éloigné compatible. Oh, please. Après avoir exploré sans succès la piste de son père et de son grand-père, Fabrice a un dernier espoir. Sa grand-mère paternelle. Avec son nom, il a retrouvé son adresse ainsi qu'un numéro de téléphone. Yo, la grand-maman, j'espère qu'elle. Mais qui ne semble j'espère qu'elle pas va être un peu plus chill que l'autre là, avec ses crabes. C'est sa dernière carte, alors il a décidé de lui rendre visite. Et c'est ici en Corse, près de Bastia, que son enquête l'amène. Ça a l'air incroyable, des gens qui vivent en Corse, là, je vais squatter chez vous tout de suite. Mon espoir, c'est que la trace que j'ai retrouvée de sa grand-mère soit toujours d'actualité. Hein. J'avais un téléphone pour joindre la grand-mère de Pauline qui ne répond pas depuis 15 jours. Je tombe directement sur le répondeur. Personne ? Ah, je dommage. Je me dis que c'était un prépayé et que c'est vraiment ma dernière chance de pouvoir sauver par mes recherches, du moins, Pauline. Donc c'est la grande pression. Liliane, surnommée Lily, la grand-mère de Pauline, vivrait avec un fils dans un petit village situé à quelques kilomètres de là, sur les hauteurs de Bastia. Mais Fabrice n'a pas d'adresse précise. D'après les maigres informations qu'il a en sa possession, la grand-mère n'aurait pas de domicile fixe. Elle mènerait une vie de nomade dans une camionnette. La mission impossible là. Alors le détective si Fabrice espère que les habitants du village seront coopératifs. Bouffe de génie. Excusez-moi de vous déranger, je suis Monsieur Bro et je cherche à contacter une famille qui aurait vécu dans le village il y a quelques mois. Ouais. Elle a 70 ans avec son fils qui aurait... qui aurait 40 ans, je crois. Un chien et un fourgon, apparemment. Non, ça ne vous dit rien. Après plusieurs tentatives infructueuses, Fabrice décide de tenter sa chance au bar du village. Bonjour. 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 Bah, c'est dérégulé, I guess. Monsieur, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je cherche à joindre une famille de... Ça vous dit quelque chose ? Ça ne vous dit rien, ils ont un fourgon apparemment. Oh oui, oh, oui victoire oh, oui quoi qu'il s'est joué, oui. Oui, c'est ça. Il est en prison, lui. Non. Ah merde. Ah merde. Oh merde, d'autres mauvaises nouvelles. Attaquant cette histoire de prison. D'accord. Ah, ça reste récent. Et la mère, vous la voyez, la grand-mère? Merde. Vous la voyez passer. Ah, vous la voyez encore passer avec le camion aussi? Ok, ça c'est bien, ça c'est lourd. Avec tête de mort, corps dessus. Ah d'accord. Et la dernière fois que vous l'ayez vu, ça remonte à quelques semaines, quelques jours. Ah, ok, nice. Bon, bah ça serait une chance de la retrouver. Avant de partir, une bouteille à la mer. Fabrice laisse ses coordonnées au patron du bar,
au cas où il voudrait le prévenir s'il croise à nouveau la grand-mère de Pauline. Il est... Merci de votre gentillesse, bonne journée. Au revoir, monsieur. Merci. Ah, il est motivé, la mère. Va avoir de la chance. Ah. Quelques heures plus tard, le bouche à oreille a fonctionné dans le petit... Wow, mais c'est incroyable, Fabrice, t'as une bonne étoile. Village Corse. Quel héros, tu mérites en sur vrai. Sur son téléphone portable, un SMS de la grand-mère de Pauline. Wow. Fabrice n'en revient pas. Incroyable, bonjour, je viens d'apprendre que vous me recherchiez pour une jeune fille malade. Vous pouvez me contacter, waouh, tellement mieux que l'autre avec son crabe. Là. Incroyable, je viens d'apprendre que vous me recherchez pour une jeune fille malade. Vous pouvez me contacter au 06. Ça c'est lourd, ça. Au moins il pourra avoir le donné le contact de la grand-mère. Et je suis en Corse. Fabrice appelle sur le champ. Please, faites qu'elle soit cool, faites qu'elle soit cool. Allô? Oui, madame. Oui, monsieur. Oui, excusez-moi de vous déranger. Je suis Fabrice Brault, je suis détective privé agréé. Bonjour, Fabrice. Et je vous appelle dans le cadre d'une recherche familiale. Je viens de recevoir votre texto. J'étais ravi de le lire. Est-ce que vous seriez prête à me rencontrer? Il y a un parking où il y a un magasin et il y a un bar à côté. Ah, formidable. Très bien. On se retrouve là sur la terrasse. Ah, elle est cool. Elle est cool. Merci beaucoup. C'est gentil. Donc, voilà, tout de suite. Merci. Merci. Nice. C'est un nouvel espoir. Mais la partie n'est pas encore gagnée. Fabrice va devoir convaincre Lily, la grand-mère de Pauline. Et dans cette famille qui semble s'être entre-déchirée, le détective sait qu'il marche sur des œufs. J'avoue, c'est tout un projet, ça. J'espère que... Reconnecter la famille comme ça, là, c'est beau. Cette grand-mère, qui est une maman elle-même, va réagir autrement et s'ouvrir à nous, et au moins ouvrir le dialogue. Sur ce parking... C'est une femme un peu méfiante qui attend Fabrice. Ah, bonjour madame. Alors, pour détendre l'atmosphère et l'amadouer, le détective sort d'emblée sa carte maîtresse. Les photos de Pauline, petite. Oh là là, il va sur les sentiments, là. Grosse stratégie ça mon cher. Voilà, votre petite fille, Pauline. Oh, elle est mignonne. Hein. Ah ouais, elle est mignonne. Elle était mignonne la maman. Ouais. Moi j'ai souvent pensé à cette gamine. Souvent. Wow. Est-ce que vous accepteriez que je vous mette en relation avec et puis qu'on... Ah oui. Ah c'est fou. Pour Fabrice, c'est l'aboutissement d'une longue enquête ça. Et une belle victoire. Après tant d'efforts, enfin une réponse positive et peut-être à la clé. Il n'a jamais abandonné mon gars Fabrice. Je suis assez ému en fait. Donc. Ah c'est beau, c'est touchant là. J'y croyais plus trop. Et puis, elle me donne... Pardon. Oh, Fabrice, là. T'inquiète, frérot. C'est grâce Cerise à toi tout ça. Sur le gâteau, le détective va pouvoir rapporter à Pauline une autre surprise. Ah. Des photos de son défunt père qu'elle n'a jamais connu. Wow, car Lily, j'avoue, c'est fou, on ça. A quelques-unes avec elle. Et là, c'est Claude. Ça, c'est Claude. Et... Il était très généreux. Oh, c'est très dur. C'est un scénario de film, là, tout ça, là. Shit. Très généreux, mais quand il s'en portait gros. Énormément. Hey. Merci Lily. Merci Lily, c'est gentil. Voilà, c'est l'heure de se dire adieu, mais Fabrice repart confiant. Liliane semble d'accord pour aider sa petite fille. Yo, quel scénario de film, c'est incroyable ce qui se passe. Elle est prête à accepter trop de faire fort, Fabrice. Un test de compatibilité. Donc c'est gars, Fabrice. C'est vraiment la très bonne nouvelle. Plus jamais dans Escape, on va se foutre de sa gueule par rapport au fait qu'il utilise Facebook. Là. Plus trop jamais. Donner de l'énergie trop à Pauline qui attend de mes nouvelles. Et... Il faut que je lui annonce le décès de son père, malheureusement. Ça va être difficile, mais voilà, on a des choses derrière. Quel homme. Pour lui donner plein d'espoir. Pour Fabrice, il est temps de rentrer pour annoncer à Pauline toutes ses découvertes, bonnes tellement et mauvaises. En plus. Un rendez-vous qui s'annonce très riche en émotions fortes. Quelques jours plus tard, de retour chez lui à Tours, c'est le moment fatidique. Il a rendez-vous avec Pauline et son compagnon. Il Timo. Va bien faire ça, genre. Il a du tact, il sait parler. Merci. Bonsoir, Pauline. Le couple n'est au courant de rien. Ce moment, il l'attend depuis des semaines avec anxiété. Pauline espère obtenir des réponses à ses nombreuses questions et surtout en finir avec sa maladie. Pour vous qu'il faut demander ça, c'est... Ils se sont stressés en fait. Voilà. Ça va fort. Okay. Pour Fabrice, c'est un moment très délicat.
car il n'a pas que des bonnes nouvelles. Alors il préfère aller droit au but. Dans notre profession, malheureusement, parfois, on apprend des nouvelles qui ne sont pas forcément bonnes. Voilà, malheureusement, j'ai appris une mauvaise nouvelle concernant votre père. Il est mort. Voilà. Sérieux ? Oui. C'est une immense déception et un coup de massue pour Pauline. Ses rêves de guérison viennent de s'envoler. Pour la consoler, Fabrice a apporté des photos de son défunt père. La jeune femme découvre son visage pour la première fois. C'est ça qui est fou. C'est un aventurier très curieux, bosseur, courageux, une très belle âme. Au moins, tu as des visages que tu as cherché pendant toute ta vie. Et franchement, quand je regarde ça, je te regarde. Elle est où la ressemblance? Déjà au front. Fabrice a heureusement une bonne nouvelle. Elle détend l'atmosphère. Il a retrouvé sa grand-mère et elle est prête à l'aider si elle en a la capacité. Ça, c'est fou, ça. Voilà la photo de votre grand-mère qui m'a dit de but en blanc, si moi-même je suis compatible, on n'a pas d'idée, eh bien, si je peux sauver cette petite... Quelle femme, en vrai, là, incroyable. Ça sera vraiment de tout cœur. Et avant de partir, une dernière surprise. Le détective a convenu d'un rendez-vous téléphonique avec la grand-mère de Pauline. Ah, ça c'est lourd. Heureusement qu'il n'a pas parlé du grand-père. Une discussion en visioconférence. Ben, il aime le crabe en tout cas, le grand-père. Oui. Oui, ça va Lily. Je suis en compagnie de Pauline. Je vais la voir là. Oui, c'est ça. Je vous la passe. Vas-y. Attends, 1, 2, 3. Bonsoir. Vous me voyez bien quand même? Ça, c'est grâce à Fabrice, là. Les yeux de Claude. Ah. Oh, ouais, mais quand je te regarde bien, tu ressembles bien à Claude. Le front. C'est que je suis bien. Tout le haut, comme ça. Mais ben. J'ai versé quelques larmes quand on m'a appris la mauvaise nouvelle. Mais bon, la vie continue, hein. Exactement. Entre la petite fille et sa grand-mère, c'est le début d'une nouvelle aventure. Malheureusement, la greffe de moelle osseuse ne sera pas possible. Pauline apprendra la mauvaise nouvelle quelques semaines plus tard. Elle est aujourd'hui toujours sur liste d'attente à l'hôpital. Bon, prenez soin de vous. Merci. Merde, ça finit pas avec un bon ending là. Fabrice repart avec le sentiment d'avoir été au bout de sa mission. Mais au moins, il a tenté. Franchement, Fabrice, il a fait cette histoire forte en émotion qui l'a particulièrement touché. Il a tout tenté. Il aura tout tenté, malheureusement. L'une des plus marquantes de toute sa carrière de détective. J'avoue, quelle histoire, hein. Damn. Et ça se termine là-dessus, Mireille. Quelle histoire, en vrai, là. Incroyable. Zing d'un film, carrément. C'était incroyable. Waouh. Comment vous avez trouvé ça? Comment vous avez trouvé ça? En vrai, de vrai, c'était exceptionnel. Claire et net et tout, ça va se retrouver sur YouTube. Merci beaucoup, YouTube, d'avoir regardé ces vidéos. Comme vous pouvez le voir, tout le chat est en pleurs. C'était une fin quand même poétique. C'était inspirant, que tout le côté de Fabrice, comment il s'est impliqué tout le long. Évidemment, on n'oublie pas les autres scénarios qui étaient franchement moins touchants. Mais bref, on s'arrête là-dessus. Merci YouTube d'avoir regardé. Vous likez, vous abonnez comme d'habitude. Au revoir, bisous. Les intros classiques. Allons dédier les rumeurs, faut ta peau. J'suis dans son bal magi. J'ai plus trop d'énergie. J'la chevauche comme un cowboy, avant j'vivais juste au